Aujourd'hui, c'était un temps à ne pas sortir un parasol sur la plage. Demandez à Farah et Faouzi de Toulouse. Oh, c'est pas facile du tout là. Il y a un peu trop de vent aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il va y arriver d'après vous? Non. C'est mal parti en tout cas. Quelques minutes plus tard, confirmation, un parasol avec des rafales à 50 km/h, cela peut être très dangereux et ça vole encore mieux qu'un cerf-volant sur cette plage centrale de Palavas-les-Flots. Et que dire de la température de l'eau? Très fraîche à cause de cette forte tramontane de nord-ouest, il y avait très peu de nageurs. Il faut qu'on est chaud, on peut rentrer dans l'eau, il n'y a pas de problème. Quelle température? Glaciale. Température de la Méditerranée, 16 degrés seulement selon le thermomètre des sauveteurs en mer. En dessous de 18, la SNSM hisse automatiquement le drapeau jaune. Il n'y a pas grand monde parce que l'eau est fraîche et puis on a du vent de nord, donc ça refroidit l'eau. Mais on assure quand même la surveillance malgré le manque de baigneurs. Et danger principal avec ce vent, dériver au large. Romane de Montpellier s'est fait des frayeurs avec sa planche. Ah oui, là j'abandonne. Je vais le dégonfler, il y a trop de vent. Je me suis dit, mince, j'arrive pas à faire demi-tour. Du coup, je suis allée prendre plus large pour revenir là-bas et pour pouvoir rentrer quand même. Mais ouais, non, c'est dangereux un peu, je pense. Étant donné les conditions, la plage, d'habitude bondée, était déserte, tout comme cette Payotte qui enregistre une baisse de fréquentation de 30% ce week-end. Après, le mois d'août ne fait que commencer. Demain, ils annoncent quand même une accalmie. D'ailleurs, tout le monde ne se plaint pas. Ce sont les vacances qui commencent, comme pour cette famille venue ce matin de Côte d'Or. À Dijon, il pleut. Ça fait 2 semaines qu'il pleut. Et là, grand soleil. Bon, il y a du vent, mais grand soleil. Tout est relatif, hein, quand on regarde la météo dans les autres régions de France, on peut dire qu'on est encore privilégié. Moralité, même si la météo n'est pas estivale, le hashtag J'aime Palavas fonctionne par tous les temps.